Eh bien, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve à Mitaka pour aller manger dans un restaurant français qui est vraiment très très bon. Donc, ça se trouve juste à côté du studio Ghibli. Et on peut dire que ça commence à partir de 1500 yens jusqu'à 3000 yens. Allez, on va faire un petit tour à l'intérieur. Vous allez voir, c'est super bon. Très très belle ambiance. Pour commencer, nous avons un petit daikon. Ceci, c'est, je ne sais pas du tout, mais ça a l'air très bon. Et ça, c'est du také. Voilà pour cet ensemble magnifique. Nous allons utiliser la petite cuillère qui était juste ici. Du daikon yuzu. Petite omelette avec parmesan et olenzo. Petit verre de vin, très agréable. Cette entrée était vraiment très bonne. Je la recommande, très raffinée. On continue sur la suite du menu. Regardez-moi cette magnifique assiette. Alors là, nous avons du tamago au-dessus. Et là, c'est une terrine, mais je ne sais pas de quoi. Là aussi, c'est un peu fourré. Je vais vous voir dire ça tout de suite. Difficile pour moi de vous dire, mais là, on a du chou, mais c'est un peu différent de d'habitude. C'est extrêmement frais. C'est extrêmement bon. À déguster avec passion. Tout ça sera suivi de petites soupes que je ne peux pas vous dire à quoi c'est parce que je sais, que j'ai pas encore trouvé, mais en japonais, Anjanmon. On dirait une soupe froide de... chou-fleur probablement. Ici nous avons du poulet. Et encore une fois, je ne sais pas trop ce que c'est. Mon japonais est quand même un peu limité. Donc nous avons finalement un poulet un peu grillé sur le dessus qui donne une croûte croustillante. Et ça, c'est du chou mariné dans quelque chose. Petit dessert aux coconuts, noix de coco. Et on terminera par un petit café. Je vous ai trouvé un superbe appartement fantomatique. Petite découverte de petite maison d'inspiration française. Les petites rues de Kichijoji, toujours bien animées. Nous sommes en plein week-end, les amis. Yokattara dozo. Et là, je vous emmène dans un endroit tout à fait particulier. Vous allez m'en dire ce que vous en pensez. Eh bien, les amis, nous sommes...
personnes dans un bar à Foucault, c'est-à-dire un bar à hibou. On va aller voir ça tout de suite, ça a l'air sympathique.今ちょっと足上げてるからなさわれないですけど。そうか。だから写真撮るのは一番楽ですね。ずっと画面見てるんで。なるほど。目が細くて今可愛くないですね。目開いたらクリクリしてて可愛いんですけど。あ、そう、さっき起きた時すごい可愛かった。頭でしょ。うん。ちょっとおもちゃ取られたくないっていう。取らない。お。 面白い。何を遊んでるの？1歳で子供の気分。うん？あ、いいね。おとなしい。 Hello, my friend. Yes. Wow. お城好きだけど、文字する。結構綺麗ですね、文字。そうですよ。眠そう。でも片方寝てる。こっちから。 高くしたらもしかしたら。マロンさん。マロンさん。マロンさん、撫でて。プティマロン。プティマロン。はい、はい、はい、食べて。食べてじゃない。 C'était trop bien. Kobe. J'ai passé un très bon moment avec nos amis des hiboux. C'est très très gentil et c'est très très doux. Beaucoup plus doux qu'on ne le croit. On peut... Et ils ne mordent pas, et ça passe même pas. Donc c'était vraiment sympathique. Ah oui, en fait, pour Nikuta, pour pas Nikuta, mais pour... En tout cas, je vous mets l'adresse juste en dessous. Allez, on se retrouve sur une prochaine vidéo.